Salut à tous et bienvenue sur Hasbro Gaming TV. On se retrouve avec Mass Effect 2, les aventures de Shepard, tout ça. On avait aidé Miranda, la connasse, faire sa petite quête. Donc maintenant, continuer sur l'histoire principale. C'est parti. Alors, qu'est-ce que je devais faire? Tiens. Voilà, on va faire ça. Tout en orbite autour de système. C'est parti! Alors, ce qui est bien dans le 2, c'est que tu peux améliorer tes armes, ça c'est cool. Ok, y'a rien. C'est vrai. Bah le truc c'est que dans le 2, en fait, moi Garrus, je l'aime bien. Et enfin, j'aime bien son tempérament, mais jouer avec lui, j'ai jamais aimé quoi. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Ouais. Oui, enfin c'est un sniper, mais en fait c'est pas. Bah je te dis, enfin moi perso dans le 2, pas non plus. Enfin il y a des persos qui sont bien meilleurs quoi en fait, c'est ça le truc. Oui, enfin. Bah, les deux que t'as à la base en fait c'est Jacob et Miranda. Et honnêtement, Miranda elle est fumée et Jacob il est bien aussi. Hein. Qu'est-ce que je dois faire? Non, c'est là. Je suis con. Niveau carburant à 50%. Ah, c'est vrai que le système dans le 2 de voyage est quand même bien stylé. Enfin, sur la carte. Ouais, c'est sympa, ouais. Pour faire les recherches, pour améliorer tes trucs, c'est bien. Ouais, franchement ça va hein, parce que moi ça fait un moment que je suis pas allé en chercher des ressources et j'ai fait pas combien d'améliorations et... Parce que moi j'aime bien, en fait j'ai recruté une Asari qui est complètement fumée. Enfin, tu vois ce que c'est une Asari ou pas? J'ai dit que moi j'ai recruté une Asari dans mon équipe qui est complètement fumée, mais je savais pas ce que c'est, je savais pas si tu savais ce que c'était une Asari en fait. Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, dans le 2, ça sera plus avec Miranda que tu verras des trucs comme ça. Parce qu'elle a des énormes besoins et tout. Ah la choc neuronal.
après les talents aussi ils sont pas du tout gérés de la même manière et tout, enfin c'est vraiment. Ah oui, non, c'est clair. Et le 1 il est pas mal, hein. Enfin moi j'ai bien aimé franchement. Ouais. Non mais moi ça va, franchement ça m'a pas plus dérangé que ça. Après en fait il y a un truc à changer dans la config du jeu, sinon effectivement il est dégueulasse. Pour le passer en 1080 parce que sinon il l'est pas nativement. Et déjà rien que quand tu fais ça c'est vachement plus net, c'est beaucoup plus joli quoi. Moi je l'ai fait comme ça. Franchement, ça va quoi. Alors par contre ce que j'aime pas trop dans le 1 c'est les systèmes de piratage. Ils sont gavés casse-couilles. Ah, ils sont gay casse-couilles, ils sont. Je sais pas. Après, dans le 2, t'en as beaucoup plus, hein, quand même. Alors ce qui est cool c'est que comme j'avais récupéré ma sauvegarde j'avais gay de pognon. Là du coup maintenant je suis blindard quoi. je voulais faire un truc mais je sais plus quoi. C'est pas grave. J'ai observé une crête thermique dans ce qui doit être le noyau gravitationnel de l'épave. Je vous transmets les coordonnées. Avertissement, ce noyau maintient également l'altitude du moissonneur. Donc, si on détruit les barrières pour s'enfuir, l'épave percute la planète. Et du coup, tout le monde crève. Ouais. Le seul timonier capable de nous ramener en sécurité dans les temps, c'est vous. On part à la recherche des survivants et des données disponibles. Gardez le contact. Bien reçu, bonne chance. Fascinant. J'aurais dû apporter des scanners, toutes ces données. Vous êtes marié? Première nouvelle. Cathy est plutôt du genre irascible. Au mariage de son frère, le démon lui a fait un peu de rentre dedans. Cathy, c'est ma femme, c'est moi qui ai dû vous raconter cette histoire. Ah, il faut que je change, voilà, c'est ça que je voulais faire. Ma sensibilité, parce que dans ce jeu, la sensibilité. Alors. Très bien. Salut.
C'est là. Et t'en es où exactement toi, Nico? Là, je vous pique 15 pour voir la meuf de c'est le méchant qu'on cherche. C'est quoi? Allez, là, je suis à Novaria. Planète de glace. Ouais. Alors en fait c'est ça qui différencie quand même pas mal le 2 du 1 aussi, c'est que dans le 2 tu t'as pas de mission avec la voiture. Ouais, je sais pas comment elle s'appelle, c'est le Mako ou je sais pas quoi. Truc comme ça. J'ai acheté là je pourrais pas te dire les noms donc ouais j'ai pris j'ai deux goûts tabac et j'ai un goût fruits rouges. Le fruits rouges d'ailleurs qui est tout à fait plaisant parce que c'est ce que je fume actuellement. On va changer d'arme là parce que. J'ai pris dans ma gueule. Alors les pouvoirs mon gars, je sais pas ce que t'as pris comme classe, mais... J'ai pris biotique. Ah ouais, et c'est monstrueux les dégâts que ça fait vieux. Que par exemple merde quand la projection et tout ça, mais ça fait hyper mal quoi. Ouais, c'est vrai que c'est fun. Non, c'est complètement le Star Wars du jeu vidéo. Oh, ça c'est clair, c'est jouissif même. Ah! Bon, après, franchement, c'est ce que j'aime bien, c'est que tu fais des missions. Et c'est ce qui va m'embêter dans Andromeda, c'est que c'est des missions, même si c'est des missions annexes, c'est hyper scénarisé quoi. Et ça, c'est cool. Parce que moi j'ai peur qu'avec Andromeda, bah, ça fasse vraiment comme du WoW quoi. Bah c'est ce qu'ils ont l'air d'ailleurs en tout cas. Et mon gars, la projection avec la Sari que j'ai, mais ça te one shot les gars quoi. Ce que ça leur met quoi, c'est énorme. Putain mais casse-toi.
Bam! Oh, son truc. Et ce qui est bien dans le 2 aussi, c'est quand t'arrives à la fin de ton arbre de talent, enfin sur une capacité du moins, il te donne la possibilité que ça soit une capacité secondaire. Enfin, t'as le choix entre deux entre nulle alternative. Et c'est un pouvoir supplémentaire et ça défonce. Alors, c'est par où casser la baston? Normalement, le 1 en même pas 10 heures, normalement tu l'as plié. Hein. Ouais, non, mais je sais, moi aussi, ça m'est bien arrivé, t'inquiète pas. Oui, je sais. Un get capable de langage. Pas possible. C'est quelle armée? Tu te souviens de Jack dans le 2 ou pas? Bon, c'est une femme, hein, mais. Ah! Qu'est-ce qui se passe, bordel? Dégage-les, quoi. Ils sont combien, ces cons-là? Lol, il les a tous défoncés tout seul! Et voilà, easy quoi.
Ouais. Oh là là, je suis un PGM là, qu'est-ce qui se passe? Bon, ils font juste que nous foncer dessus, donc bon, ça va, mais. Il y a des munitions partout, ça c'est bizarre, c'est gay bien. Par contre, faut vraiment que j'aille pisser quoi. Vas-y, je reviens. Donc ça fait quoi tous les deux? Mass Effect, un pour moi et deux pour Darat apparemment. Bon, vous êtes barré pourquoi? Parce qu'on faisait trop de bruit? Je sais pas, non parce qu'on ah non, voulait on parlait de la reconfiguration de, du truc de stream. D'accord. Donc oui effectivement ça faisait un peu trop de bruit. Et du coup on est resté dessus parce qu'on... Ouais alors, désolé. Bon, je vais pas appeler les loups pour ça. Ouais, faut que ça arrive. Je le ferai avec plaisir. Bah écoute, je t'en remercie. Le but c'est de caser ce chat. La demande à Daras. Hein? Tu veux pas un chat là? Non. Pas enfin, que j'ai déjà assez de problèmes avec deux. Ah là là.
qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi tranquille. Bonsaï. Ouais, bah ouais, ça fait du bien des fois de se poser. Mais t'as bien raison, mon cochon. T'inquiète, en plus je suis en vacances. Non, mais ça je veux pas savoir. Ça je veux pas savoir. Ah, je sais pas pourquoi je m'en doutais. Ça ne m'intéresse pas. T'inquiète, Lara, j'aurais une petite pensée pour toi. Non, non. Alors attendez! Attendez! Quoi? Oui, oui. Légèrement. Tu quoi? You die. Non, parce que dans Mass Effect tu meurs pas. C'est échec critique de la mission, tu vois. Oui, c'est vrai. Pourquoi critique plus qu'un autre mot? Je sais pas, mais à chaque fois c'est critique. Ah, c'est très critique. C'est-à-dire en fait, ce que t'aurais mieux fait, tu serais pas mort. Le système de visée dans Mass Effect 1, c'est pas possible quoi. Tellement dit. T'as l'impression de rien toucher quoi. Et du coup. Ouais, mais j'ai. Alors, bizarrement, dans le 2, il y en a plus. Les grenades. Et surtout, elles sont. C'est quand même assez bizarre quoi. Alors, tu lances un disque, c'est trop chelou. Elles sont cheloues, mais elles sont tellement fumées. Bah, on va dire que c'est assez pratique. Attends, j'en reviens. Alors moi le Corgain que t'as recruté là, je l'ai tué. Ouais. Ouais, je peux te dire que ça a une sacrée incidence hein, dans le 2. Et ça va. C'est con.
Ah oui, je me suis fait voir tout à l'heure. D'ailleurs, mauvais d'ailleurs. Voilà. Il y en arrive de partout. Oh, GG ça. Ça fait du bien le SSD de 400 gigas. Tu l'as là, ça y est? De toute façon, moi j'ai reçu avant de partir, je l'avais reçu, j'ai refait Windows propre aussi. Ouais, c'est cool ça. Bah, il a pas planté une fois toute la semaine où j'étais. Est-ce que je prends? Ouais, mais lui, carrément. Putain, mais sérieusement? Voilà. C'est quoi cette vie qui...
ta gueule, tu passes devant. C'est bon. Putain. Cargaison de zombies. C'était Noël. Oh là là. Oh putain, je suis encore mort. Bon. Chier. Chaud. Cool. Tire moi. Putain, mais ça lui fait que dalle. Si, si, je finis ma mission, de toute façon, je vais arrêter Mass Effect. Il ne reste plus qu'à détruire le noyau gravitationnel. Et le vaisseau ira s'écraser sur la planète. Bon, j'ai continué, hein. Du coup, j'ai chopé plein de classes. Je verrai comment je les évolue. Tac, t'as pris quoi? J'ai débloqué Arme d'Ast. Et un autre, je me souviens plus. Je n'aime plus le dernier, c'est Arme d'Ast, c'est sûr. Le chevalier dragon. Ouais, Arme d'Ast, c'est ça. C'est l'ancien au début, et après c'est chevalier dragon. Et là, je me souviens plus. Je voulais tester une classe de mago, mais je l'ai pas fait. Ouais, le mago, faut vouloir. Hein, c'est... Ouais, mais ça doit être marrant. C'est pour les gens skillés. Ah, c'est du jeu après, donc c'est toujours fun, c'est toujours propre à voir après. Ouais, ouais. Bah, sur certains boss, c'est du cast, donc les boss où t'es obligé de bouger, bah, tu te fais chier. Ouais, bah, c'est ça. Après, il y a vraiment pas mal de classes différentes. Ouais, c'est clair, et puis il y a des évolutions de classes qui font que tu peux prendre des chemins différents après. Ouais, alors ça, c'est au début, t'as l'impression qu'il y a beaucoup de chemins différents, tu te rends compte, tu te fais vite le tour quand même. Pas tant que ça, oui. En mêlée, le fait de bouger, ça rapporte quelque chose ou pas? Ça augmente le taux d'esquive ou absolument pas? Pas du tout. Pas du tout. Quand le taux d'esquive est calculé, bon. C'est mauvais pour ma gueule, ça. En termes de ce qui est bon, ça comme pas faire effectivement de bouger dans un sens. Oui, non, mais bouger pour éviter les AO, c'est une chose. C'est ça, c'est dans ce pas. Non, d'accord, et tu le prends par. Tu chopes un autre par derrière, tu feras pas plus fort.
Normalement, si, enfin, en haut, en tout cas, y a... tu tapes forcément plus fort par derrière. Si, si, ça en fait c'est surtout au niveau de l'armure en fait. T'as pas le. Ouais, tu ignores ouais c'est ça, y a pas de problème d'armure. Ah, mais justement, comme j'allais garder cette habitude de vous et je tourne en rond autour des mobs, j'avais l'impression que ça. Enfin, sur les mobs, tourner autour ça sert à rien. Hein. Ouais, même sur tout ce qui est PvE en fait ça sert à rien. Ah oui, c'était uniquement PvP là sur vous. Ah oui. Et parce que ça PvE ça change rien. D'accord, je pensais que ça changeait aussi en PvE. Non, c'est juste qu'en PvE effectivement si tu te mets derrière tu toucheras, tu feras plus de dégâts, enfin t'auras pas un problème d'armure quoi. Mais par contre, tourner autour parce que tu cherches à éviter une attaque, ça marche pas. Une attaque au corps à corps. Hein. Ah ouais, voilà, c'était tout à fait l'idée, donc j'ai arrêté de me fatiguer. Oh là, ils sont beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Bon, Narco 1v1, 5-2. On va bien. L'excuse, ça fait un an qu'il n'y a pas de claim. Mais... Ah, je vois. C'était ça? Bah, de la merde. Ouais, j'ai testé. Le temps presse, allez. Ah, il faudra que je regarde. Bon, du coup, si vous faites champ, moi je vais ça. Ouais, et tu me regarderas la date, je stream Rocket. Ok. Je te dirai ça. Bisous. Allez, tchou tchou. Tchou tchou, date. Tchou. Disconnected. Sera plus tranquille. Cette petite vue. Stopper.
ne sera pas de trop contre les moissonneurs. Je suis absolument pas de cet avis. Après ce que j'ai vu sur Eden Prime, je suis d'avis qu'on le balance dans l'espace. Ça fait je ne sais pas combien de temps que Cerberus offre une prime mirobolante pour la capture d'un guet intact. Je ne prendrai aucune décision avant d'être fixée sur ce qu'on a là. Je veux le mettre en marche, l'interroger. Si on l'active, rien ne dit qu'on pourra le désactiver ensuite. Si, mon flingue. Oh, c'est parce que... Merci à tous deux pour vos précieux conseils. J'ai pris ma décision. Dali va en chier des ronds de chapeau quand elle apprendra ça. Alors, cet identifiant moissonneur... J'ai découvert comment l'interfacer à nos systèmes. Toutefois, il demeure issu d'une technologie inconnue. Il convient d'effectuer des tests exhaustifs avant de chercher à passer le relais Oméga 4. Il faudra un certain temps pour l'intégrer à nos systèmes. Avertis-moi quand ce sera terminé. D'ici là, on va continuer à renforcer nos rangs. Certainement, Shepard. L'équipage va entamer les travaux sans attendre. Je vous avertirai quand nous serons prêts à tester le module. Ok, les gars. Bon, merci. Donc, ok, les gars. Bon, on s'arrête là pour la VOD. Reprends. Pour le stream. Merci d'avoir suivi, on se retrouve pour la suite, à très vite, tchou tchou.